Oyo, c'est Julien de la Balade Sakura. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma sélection de livres que j'ai achetés en 2021. Alors, on a la chance parce que 2021 était une année plutôt bonne en publication. Alors, en plus, ça nous permet de voyager au Japon parce que bon, les frontières sont toujours fermées, malheureusement. On ne sait pas trop quand ça va ouvrir. Et nous sommes début décembre, donc ce sont aussi des bonnes idées cadeaux pour Noël qui approche à grands pas, pour vos amis, vos proches ou pour vous-même. Donc on va commencer. Ah oui, si vous avez des livres que je n'ai pas cités ou alors des livres que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est très important. Et puis moi j'adore découvrir des livres, donc n'hésitez pas, même si c'est en anglais ou en japonais, je suis preneur de tout livre en fait qui parle de la culture japonaise et qui sont récents et qu'on peut acheter en fait facilement. Tous les livres que je vous présente, on peut les acheter sans problème via la Fnac ou via Internet. Allez, on va commencer par, ou en librairie bien sûr, par le livre de Jean-Marie Buissou, 100% Japon. Donc Jean-Marie Buissou, c'est quelqu'un qui a écrit un ouvrage, Les Leçons du Japon, qui était assez connu en fait, sur le monde du travail. Et là, en début d'année, il a édité ce livre sur 100% Japon. En fait, il y a plus de 500 photos en noir et blanc. Et il va aborder plein de thématiques sur le Japon, la culture, l'architecture, l'urbanisme. Donc c'est vraiment hyper complet comme ouvrage. Et moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un ouvrage qu'on peut le lire comme ça, hein, de la page 1 jusqu'à la fin. Mais on peut aussi le lire, tiens, bah, je vais m'intéresser à la ville, tiens, je vais m'intéresser à l'esthétique japonaise. Donc c'est vraiment un ouvrage qui se lit en piochant en fait, de temps en temps, telle ou telle thématique. Donc moi j'aime beaucoup, et c'est très intéressant et c'est très bien écrit. Alors le deuxième ouvrage, il est costaud, oh, c'est un dictionnaire, c'est Richard Colas qui l'a écrit. Donc Richard Colas est une personne qui vit au Japon depuis 50 ans, c'est un passionné, et donc du coup il a mis son amour du Japon dans ce dictionnaire, et c'est vraiment super. Alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc pour l'instant je n'ai lu que certains passages, et puis comme c'est un dictionnaire, donc on ne lit que certains passages, et voilà. Alors bien sûr, je suis allé voir Daibutsu, des choses comme ça, donc c'est très bien écrit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il parle aussi de choses, voilà, il parle des Combini, il va parler de Jacques Chirac. En fait, il parle de tout ce qui est autour du Japon et qui est au Japon. Donc c'est un très très bon ouvrage, et je vous conseille, donc typiquement, là, ces deux livres, en fait, ces livres qui sont à côté, sur votre table de chevet, et hop, si vous avez un petit manque de Japon avant de vous en dormir, vous le prenez, vous les lisez, c'est vraiment très très intéressant. Alors, ça c'est mon coup de cœur. Alors, je vais souvent à la librairie Junku à Paris, j'adore cet endroit, et là, bon, j'étais allé il n'y a pas si longtemps que ça, et puis je trouve ce livre, Japon légendaire de Eric Faure. Oh, c'est quoi ce livre? Je ne connaissais pas du tout, j'ai pas eu de critique dessus. Il est sorti en juillet de cette année, et 50 histoires de Kami. Shinto, j'adore. Mais tiens, mais c'est super intéressant. Et en fait, j'ai commencé à le lire, et j'ai fini une traite. C'est super. En fait, il parle des légendes des Kami dans les sanctuaires autour de Kyoto. Alors, déjà, ça m'a fait connaître des sanctuaires que je ne connaissais pas, donc je les ai mis sur ma liste, sur ma Google Maps, pour le prochain voyage, et je peux vous garantir que je vais y aller. Ah, c'est vraiment passionnant, et c'est super bien écrit, c'est humoristique, et il parle de différentes déités, hein. Par exemple Susanoo, Izanami, Izanagi, bref, il va vraiment exploiter toute la richesse en fait du Shinto pour nous les faire découvrir dans un ouvrage très sympathique. Franchement, pour ceux qui veulent connaître le Shinto d'une façon assez simple, assez humoristique, et ben allez-y, ce livre il est superbe. Alors, ah, bon bah ça, le classique qu'on attendait avec impatience, le deuxième livre de Joran sur les temples et les sanctuaires. Donc voilà, bon bah super bien documenté, encore une fois avec l'illustration de Joran, c'est un plaisir. Voilà, c'est un. Voilà, on part en voyage avec Joran au Japon, elle explique super bien. Voilà, c'est. Voilà, tout est bien fait, elle va bien décrire les choses, on comprend très vite. Donc voilà, donc ça, pour moi, ça fait partie de ces ouvrages qui sont hyper plaisants à lire. Alors il y a le tome 1 sur les objets japonais que vous pouvez aussi acheter si vous ne l'avez pas. Voilà, c'est hyper plaisant, on voyage avec Joran, et puis ses dessins sont tellement, tellement sympas. Voilà, donc ça c'est très très bon ouvrage, je vous recommande vivement. Allez. Maintenant, on va parler un peu de bouffe, hein, parce que quand même, le Japon, la gastronomie est important. Et là, Tokyo Gourmands, un livre qui est écrit par Lorkir, alors je l'ai su sur Instagram, et c'est illustré très 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 bien, les illustrations sont très belles, de Naruna Kishi. Alors ça, c'est un voyage à Tokyo,
avec l'angle d'attaque de la gastronomie. Et ça, j'adore. Honnêtement, donc elle explique les plats qu'on peut retrouver, les différents quartiers de Tokyo. Et voilà. Alors, il y a des photos, mais il y a aussi beaucoup d'illustrations. Moi, j'adore. Honnêtement, c'est un livre que j'ai pris. Je ne savais pas trop à quoi je m'attendais. Et je suis parti en balade au Japon, à Tokyo, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Puis, bon, la gastronomie, voilà, on retrouve des images quoi, des différents voyages qu'on a pu faire. Donc, c'est vraiment super. Hein. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite pub. Si vous aimez voir des images de temples et sanctuaires ou des gastronomies, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai plein de vidéos qui vont aussi vous faire soit saliver, soit vous faire découvrir plein d'autres endroits. Alors maintenant, je vais passer à un livre de Jordi Meo qui est sorti fin 2020. On peut encore l'acheter sur son site web. Alors, on ne peut pas le trouver peut-être sur Amazon ou autre, Amazon ou à Fnac ou en librairie, mais vous pouvez le commander sur son site internet. Donc c'est très intéressant. Et Jordi, en fait, c'est un passionné du Japon et voilà, il adore en fait nous faire découvrir des petits villages sur des routes méconnues, vraiment un Japon qu'on ne connaît pas d'un point de vue touristique. Et voilà, moi j'adore. Vous prenez ce bouquin. Vous passez 2 heures à voyager au Japon, le texte est très sympa, les photos sont bien sûr très très belles. Donc ça, moi je vous le recommande, puis en plus, voilà, c'est quelqu'un de un auteur formidable, donc c'est un très beau livre. Alors, j'adore les artbooks, et ils sont pas faciles à trouver, et cette année j'avais vu que Makoto Shinkai, donc le réalisateur du film d'animation Your Name ou Les Enfants du Temps, allait en sortir. Je regardais ça, bon, j'avais presque me commandé via les sites online pour acheter au Japon pour la France. Et finalement, en fait, j'ai trouvé à Libraire Junku, il y était, donc j'étais super content. Et c'est un super livre, alors c'est sur Gunner of Words, donc un des films d'animation de Makoto Shinkai, c'est sur Shinjuku, Tokyo, et c'est vraiment un super beau ouvrage. Alors, c'est vrai que les artbooks, c'est plus dédié à plaisir des yeux. Bon, alors c'est en japonais, mais bon, maintenant avec Google Trad, on peut traduire quelques phrases. Mais moi, bon, ce que j'adore, c'est vraiment voyager au Japon au travers des dessins de Makoto Shinkai, enfin de ses artistes. Et c'est vraiment génial. En plus, ce livre, à la fin, ils expliquent un peu la création du film d'animation avec les storyboards, les fiches des personnages. Donc c'est vraiment... j'aime beaucoup cet ouvrage. Et enfin, j'aime beaucoup les artbooks. Et d'ailleurs, je crois que je dois avoir quasiment tous les artbooks, tous les artbooks de Makoto Shinkai. Donc voilà, donc c'est que je n'abîme pas quand même. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui aiment un peu découvrir en fait le Japon au travers des backgrounds de films d'animation, c'est vraiment des superbes ouvrages. Alors, un autre livre qui est sorti l'année dernière, mais je l'ai acheté cette année, c'est sur les cartes postales. Ah oui, les cartes postales au Japon, en fait, c'est très populaire. Et là, ce livre, en fait, retrace l'histoire des cartes postales. Donc, on va avoir plein de photos colorisées du pays, en fait, au début du XXe siècle. Moi, je trouve ça, c'est génial, quoi. Et c'est passionnant, quoi. Donc, ça aborde par département. Et moi, je trouve une très bonne idée, en tout cas, d'avoir fait ce livre. Et d'ailleurs, il est bien, hein. Donc, vous avez passé du temps à le lire, à voyager. C'est un vrai livre, en fait. On voyage dans un Japon du début du XXe siècle. Et moi, je trouve ça vraiment super. Donc, voilà, vous pouvez le trouver un peu n'importe où. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée. Très très bonne idée de cadeau pour ceux qui aiment le Japon et qui connaissent pas forcément le Japon via cet axe, via les cartes postales, c'est assez original en fait. Alors, ce livre-là, c'est un livre photo, donc c'est le photographe va prendre des scènes, des personnages d'une façon très particulière, et moi j'adore, c'est quelque chose de... Je trouve assez fantastique le travail de photographe. Là, donc Nicolas Boyer, il a fait des photos qui sont extraordinaires. Voilà, on les contemple, on se plonge dedans. Donc voilà, ça va être des photos vraiment très atypiques, mais elles sont, enfin, c'est un vrai travail de photographe. Et moi, j'adore ce genre de livre. Voilà, c'est un très beau livre. J'adore le prendre, le feuilleter. Et je me dis, oh, mais comment il a pu penser à faire ces photos? Mais la couleur, la mise en place, c'est génial, quoi. C'est là où on voit la qualité du photographe et l'amour qu'il donne quand il prend la photo et après qu'il nous restitue via au travers de ses livres. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir, alors ce livre, c'est de Brigitte Koyama Richard. C'est la spécialiste du Shinanga.
en France, voire peut-être dans le monde. Je l'ai précommandé 3-4 mois à l'avance parce que je voulais être sûr de l'avoir. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, Shin-Yonga, je suis un grand fan. Shin-Yonga, c'est les estampes du début du XXe siècle. Je suis un grand fan et elle avait sorti un livre sur Kawase Asui, un des très, très grands estampistes du début du XXe siècle. Et ce livre est introuvable. On peut le trouver en collection, en occasion, mais il est à plus de 100 euros, quoi, un truc de fou. Et encore, si on le trouve. Alors moi, je me suis dit, non, je ne vais pas me faire avoir ce livre-là. Je le commande et je veux absolument l'avoir et j'ai pas été déçu, c'est un superbe ouvrage. Donc elle aborde tout le Shin-Yonga, donc c'est vraiment tous les artistes, mode portrait, mode paysage, vraiment top, super cadeau pour vous, pour quelqu'un qui adore le Japon, pour quelqu'un qui veut découvrir l'art du Shin-Yonga. Pour moi c'est le livre idéal, enfin, d'ailleurs c'est le livre qu'il vous faut pour découvrir le Shin-Yonga. Franchement c'est, les textes sont super, super bien écrits. C'est un livre grand format, donc le papier est très beau, donc les estampes sont très bien situées. Ah non, c'est honnêtement, je l'attendais, et ben je suis vraiment super content de cet ouvrage, et c'est l'ouvrage à acheter, à avoir, si vous adorez le Shin-Yonga. D'ailleurs, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas encore une exposition sur le Shin-Yonga ? Alors, parfois, il y en a, et, des estampes Shin-Yonga qui sont dans quelques expositions, mais pourquoi on n'a pas encore le droit à une grande exposition Shin-Yonga à Paris, enfin à Paris ou en France? Ça vaut vraiment tellement beau comme, comme estampe. Bref, on a au moins les livres pour nous régaler les yeux. Voilà, donc j'ai fini ma sélection de livres 2021. J'espère que cela vous a donné des idées de cadeaux ou pour vous-même. En tout cas, si vous avez, une fois de plus, hein, si vous avez des livres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ah, je suis vraiment preneur de tout ouvrage. Et puis, si vous voulez donner un avis différent du mien, ou si, voilà, n'hésitez pas à me mettre en question. Moi, j'adore les ouvrages. J'adore les livres sur le Japon. Je trouve que c'est le, à l'heure actuelle, c'est de toute façon, c'est le meilleur moyen de voyager au Japon. Et la qualité est quand même pas si mal que ça. On a vraiment des très très bons ouvrages. Et voilà, et ça aborde en plus tous les aspects. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, à bientôt, matané.